Então. Bienvenue à tous, bienvenue sur notre plateau de TV5 pour encore une grande soirée de football en compagnie de Bernard Pivot. Bonsoir Bernard. Bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV5. Pour ce match, septième du nom, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2004, avec peut-être à la clé, là sait-on jamais, la qualification de l'équipe de France, il suffirait de presque rien, dirait Serge Reggiani. Oui, il suffit d'un petit match nul. Oui. Mais d'ailleurs, la même chose pour la Slovénie, il suffit qu'elle ait un match nul pour être assurée de la deuxième place. Ah oui. Donc un match nul contenterait évidemment les deux équipes. Qu'est-ce que vous allez nous dire là? Vous allez nous dire que... Non, je dis pas quoi. Non, au contraire, attendez, pas du tout. Moi, je trouve ce match très excitant. Allez-y, expliquez-nous. Alors, contrairement à beaucoup de gens qui pensent le contraire, moi, je trouve très excitant. Pourquoi? Parce que l'équipe de Slovénie, c'est une équipe moyenne. C'est pas une petite équipe, c'est pas une grande équipe. Attendez, elle est classée 29e. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. D'ailleurs, c'est une équipe très inconstante. Hein. Il y a un an, elle est allée gagner en Italie 1-0. Pas mal. Et puis, il y a seulement, au début de l'année, balayée, pas seulement par la France, mais c'était à Paris, mais balayée chez elle par la Suisse 5-1. La Suisse que nous avons battue. Donc, vous voyez, c'est une équipe vraiment fragile ici, forte là, et qui s'est quand même, qui était qualifiée pour l'Euro, qui était qualifiée pour la dernière Coupe du Monde. Donc, c'est une équipe qu'il faut respecter. Et je trouve que c'est bien que ce match arrive à ce moment-là, parce que la France a eu beaucoup de petits matchs quand même. Et là, elle va se trouver devant une équipe, à mon avis, déterminée parce que... Qui vient de battre Israël, en plus. Parce que mathématiquement... Tout est possible. Mathématiquement, eh bien, la France n'a pas encore assuré sa première place. Imaginons par exemple que les Slovènes gagnent ce soir. Eh bien, ils se retrouvent à portée de ils se retrouvent à deux points. Ils se retrouvent à deux points. Alors qu'il reste un match à jouer. Alors le dernier match, c'est la Slovénie va jouer à Chypre. On peut imaginer qu'elle gagne. Et la France reçoit Israël. Mauvais souvenir, rappelons-nous. Donc, méfiance. Donc il faudrait mieux pour la France qu'elle assure sa qualification ce soir. C'est pourquoi le match, moi, me paraît très intéressant. Alors, il vous paraît intéressant, mais vous m'avez dit, bon, j'ai quand même envie d'ouvrir avec une descente d'avion. Vous arrivez de Barcelone et... Oui, mais parce que d'habitude, je fais une petite minute culturelle. Puis là, il y a 2 heures, j'étais dans l'avion qui me ramenait de Barcelone, où je suis allé, non pas voir Ronaldinho, il paraît qu'il va très bien, il a marqué un but magnifique l'autre jour. Donc, non, c'est pas pour ça. J'ai participé à un congrès de professeurs de français espagnol. Il y avait 400 professeurs de français donc, qui étaient réunis à Barcelone. La plupart étaient quand même des Catalans, la plupart sont des femmes. Et bon, c'était évidemment très passionnant parce qu'on a parlé de la langue française, on a parlé de la culture française. Mais j'ai été très ému, je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup de femmes m'ont fait l'éloge de TV5. Elles m'ont dit, vous savez, c'est souvent très dur quand on est la seule professeure de français dans un lycée, dans une petite ville espagnole ou de Catalogne. Nous sommes un peu dans une solitude culturelle. Et grâce à TV5, eh bien, à la maison, on me parle français. J'entends parler français. Sinon, ben, je ne l'entendrais pas souvent. Et en plus de ça, c'est bien parce que donc, grâce à TV5, la solitude culturelle de ces femmes est brisée. Tant mieux. Et puis, elles se servent de TV5. Elles m'ont raconté, elles m'ont même fait une démonstration.
se servent de TV5 pour y prendre des fictions, y prendre des magazines et s'en servir pour des travaux pratiques de français à l'usage de leurs élèves. Donc vraiment, on m'a fait l'éloge de TV5 et je me suis dit, aucune raison que je garde ça pour moi et ça m'a fait plaisir et donc j'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Voilà, il fallait que ce soit dit. On va rentrer maintenant, Bernard, dans le vif du sujet. On va parler football et on va se... Allez, on va revivre un peu le franc-chypre, oui. Hein, le franc-chypre du Stade de France, c'était pas il n'y a pas si longtemps, c'était samedi. Hein. Privé de Zidane, blessé, mais toujours emmené par son emblématique capitaine Marcel Desailly, qui fêtait face à Chypre sa 110e cape, l'équipe de France s'est régalée, offrant à ses supporters un spectacle de qualité. Trezeguet ouvre la marque après 8 minutes de jeu, l'attaquant turinois, malheureux, malchanceux face à la Suisse, a retrouvé au Stade de France son efficacité. L'empreinte du buteur inscrite sur la pelouse de Saint-Denis comme un signe pour Sylvain Wiltord qui 12 minutes plus tard déguste avec justesse une passe millimétrée de Thierry Henry. Il y a de la magie dans les pieds de ses joueurs. Magique aussi ce coup franc de Thierry Henry. Dommage, ce travail d'artiste aurait mérité autre chose que du bois comme support. Une récompense qui va finalement intervenir à la 41e minute. Un jeu en triangle en une touche de balle. Wiltord exécute pour la troisième fois le portier chypriote, réalisant au passage son premier doublé en bleu avec 20 buts inscrits sous le maillot frappé du coq. Wiltord rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs français. À l'heure de jeu, Henry impérial lors de ce match mystifie la défense adverse. Une frappe enroulée somptueuse, un joyau de plus pour une équipe de France couverte de diamants. Et comme pour mieux se convaincre de sa force, ce groupe solide, consciencieux et surtout amateur de beaux jeux s'offre une dernière représentation, une tête au premier poteau, nouveau doublé pour Trezeguet cette fois. Il porte son total de buts à 24 pour 45 sélections. Des chiffres aussi plaisants à entendre que le score de cette victoire, 5-0. 3 points de plus dans l'escarcelle d'une équipe de France qui n'est plus qu'à 1 point du Portugal. Un match nul face à la Slovénie pourrait donc suffire. Mais on le sait, avec 6 victoires en 6 rencontres, les Bleus ne savent pas faire de match nul. Exactement, Jérôme Papa, un match nul suffirait, suffira peut-être, mais on le disait Bernard, hein, ça c'est vraiment, c'est un vrai test qui est proposé à l'équipe de France avec une équipe, vous l'avez dit, de bonne valeur, en plus un match à l'extérieur. Je pense que c'est le genre de match dont la France a besoin après avoir joué, il ne faut quand même pas s'en cacher, des matchs quand même assez faciles. Oui. Alors sur un terrain en plus de ça qui n'est pas propice... Non, c'est un petit terrain. C'est un petit terrain qui est paraît-il pas très en bon état. Donc il y a beaucoup de difficultés pour les Français. Et alors il faudrait peut-être aussi parler quand même, se poser cette question, est-ce que la France ne va pas être victime d'un traumatisme Emmanuel Petit? Ah, voilà, parce que oui, alors parce que non, oui, parce qu'Emmanuel Petit donc a attendu un moment un peu pas très opportun apparemment pour déclarer à Jacques Santini qu'il mettait sa qu'il arrêtait sa carrière en équipe de France, et avec des propos assez peu amènes d'ailleurs vis-à-vis du sélectionneur qu'il a estimé que Jacques Santini n'était pas l'homme de la situation. Et donc Jacques Santini ne lui a pas répondu. Hein. Il a dit, bon, je répondrai peut-être dans un autre point presse, mais pour l'instant, je prépare le match contre la Slovénie. Alors, bien entendu, cela a eu un effet quand même assez considérable sur la psychologie des joueurs de l'équipe de France. Ils se sont exprimés, ils ont tous dit que leur déception. Les uns disaient, écoute, c'était notre pote, c'est Desailly qui a dit ça, c'est notre pote à tous. Et il fait partie quand même, il ne faut pas l'oublier, Emmanuel Petit, de ce club très fermé des champions du monde. Et il même appartient. De ceux qui sont les plus identifiés quand même. Oui, c'est avec Zidane, avec Barthès, avec Laurent Blanc. C'est lui qui marque le troisième but contre le Brésil en finale. Donc il appartient à ce club très fermé. Et je me suis dit que chacun des membres de ce club, dans ce départ, il y a vu un peu le sien.
Ils sont tous évidemment assez âgés. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est pas, ça ne va pas m'arriver demain? Donc ce départ comme ça précipité et assez houleux de petit leur a fait mal. Ça, j'en suis persuadé. Donc il faut tenir compte aussi de ce facteur psychologique, de ce malaise qui existe probablement dans l'équipe, qui, je l'espère, sera vite dissipé. Mais on peut imaginer aussi que dès qu'ils seront sur la pelouse, ils oublieront et peut-être même d'ailleurs auront-ils à cœur d'offrir une victoire à Emmanuel Petit. Ce serait la meilleure réponse. Absolument. Mais on a vu par exemple Lisa Razou qui était un peu effectivement éprouvée par cela. On ne devrait pas tarder à aller rejoindre donc le fameux Central Stadium, qui n'a de central que le nom, parce que pour le reste c'est un tout petit stade. 9000 personnes peuvent y prendre place à Ljubljana, donc la capitale de la Slovénie, avec une équipe slovène sans surprise, si ce n'est que Siljak va jouer finalement au poste d'avant-centre à la place de Simirotic, qui avait été plus ou moins secoué à l'occasion du match contre Israël. Voilà, nous sommes donc sur la pelouse du Central Stadium. On a l'impression qu'ils sortent d'un café, là. Exactement, c'est assez champêtre, donc. Et vous constaterez que c'est bien Fabien Barthez qui gardera les buts de l'équipe de France, Lisa Razou, Thuram, étant dans cette équipe. La question qu'on se posait également, c'est de savoir si Jacques Santini allait préférer dans l'entrejeu, aux côtés de Patrick Vieira, Olivier Dacourt, plutôt que Claude Makélélé. C'était une option qui était envisagée. Michael Sylvestre est là, Vieira, vous voyez. Et donc je guette pour voir si c'est Makélélé ou Dacourt qui prendra sa place dans l'entrejeu. En tout cas, c'est la même équipe qui a commencé le match contre Chypre. À la seule condition, c'est que Makélélé soit sur le terrain. À cette exception-là. Exactement. Sinon, c'est la même équipe. C'est la même. Et donc c'est une équipe, évidemment, je dirais que c'est l'équipe où on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire aux joueurs d'expérience, aux joueurs qui ont pour la plupart gagné la Coupe du Monde, et qui, alors que Santini, à un moment, rappelez-vous, sélectionnait pour moitié des joueurs internationaux qui jouaient en France. Là, aujourd'hui, ils jouent tous à l'étranger.
exactement la même équipe. Ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, moi, il a préféré Makelele. Il rentrera certainement en deuxième mi-temps, Claude Makelele. Et le retour surtout de Zinedine Zidane. Très attendu, la cuisse de Zinedine donc est désormais guérie. Et oui, le meneur de jeu reprend naturellement sa place. On peut imaginer qu'il ne fera pas toute la partie. Non, mais en revanche, il remplace bien Pires. Et là, c'est un changement par rapport au match France-Chypre. Alors les Slovènes donc jouent à 3 derrière hein, avec un libéro qui est Knaps et deux stoppers avec deux hommes de couloir également Asimovic et Karic. Et puis un milieu de terrain extrêmement renforcé. Une attaque qui va s'orchestrer autour du Zidane slovène, Zaovic, qui joue lui au Benfica de Lisbonne. Et je vous le disais, donc le seul changement important, voilà Zaovic, qui est le créateur de cette équipe, qui est un garçon capable de très très belles choses donc. Et puis je vous l'ai dit, donc l'absence de Simirotic, le joueur de Lecce remplacé par Siliak, qui lui joue en Chine. C'est la raison pour laquelle tout le monde l'appelle en Slovénie le Chinois. Ah voilà. On aurait pu le deviner. Et l'arbitre de la rencontre sera monsieur Messina, l'italien, qui est un arbitre international très estimé, très reconnu. Donc de ce côté-là, pas de souci. Les Slovènes, naturellement, jouent en blanc. Et les Français, dans leur traditionnel maillot bleu, bas rouge, avec l'engagement donc pour l'équipe de France, Thierry Henry et Trezeguet, un premier ballon pour Zinedine Zidane. Et première chose Bernard, bon je pense qu'ils l'ont fait déjà l'échauffement tout à l'heure, mais prendre un peu le pouls de la pelouse qui n'est pas bon dans un excellent état. Oui, on voit d'ailleurs les plaques d'herbe qui ont été retirées par je ne sais quelles intempéries. Et il est vrai que les Français peuvent être gênés sur un petit stade dont la pelouse n'est pas en très bon état, mais il est du rôle aussi des Français de s'adapter à tous les terrains. Ce ne sont pas tous des pelouses merveilleuses, ça arrive. Et d'ailleurs, rappelez-vous, parfois on a critiqué aussi la pelouse du Stade de France. Oui, c'est vrai. Ballon donc pour l'instant monopolisé par l'équipe de France. Mais c'est pas... Oh là ! Oh là 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 ! Avec un premier choc entre Lilian Thuram et Karic. On a entendu un cri de douleur, mais en définitive rien de sérieux, heureusement. Premier ballon en tout cas bien disputé et remise en jeu pour les Slovènes. La balle de Karic ayant lobé son attaquant Siliak, ce sont les Français qui vont pouvoir replacer. Je voudrais citer cette phrase de Marcel Desailly qui déclarait ce matin à l'équipe: on sait qu'on va se faire bousculer, qu'ils vont nous rentrer dedans, ils vont nous mettre sous pression, essayer de nous couper en deux dans les 20 premières minutes. Allons bon. Alors, que des choses sympathiques. Et il s'attend donc à un début de match extrêmement difficile. Ouais, mais enfin là, c'est plutôt le contraire qui vient de se passer. Avec cette faute sur le capitaine Zaovic qui en profite pour remettre sa chaussure. Je pense que sous le choc, sa chaussure. Voilà, et c'était quand même Vieira qui était allé au contact là sur Zaovic. Zaovic qui fête aujourd'hui sa 75e sélection, ce qui en fait le joueur slovène le plus capé. Alors, il y a une interrogation à propos de la forme de cette équipe de Slovénie. Est-ce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait dans le ventre contre Israël? Parce que ce match était capital pour elle, puisqu'il lui assurait... Au moins la deuxième place. Au moins la deuxième place. C'est pas non plus... Encore une fois, il faut qu'elle gagne encore un point pour être assurée de cette deuxième place. Avec un bon ballon, là, intercepté par Asimovic. Mais tout de suite, deux Français sur lui. Ballon pour Zaovic, voilà, qui va écarter...
Et une remise là pour personne. Mais attention, hein, quand même vigilant. Je vous ai interrompu, Bernard. Non, non, je disais que cette équipe de Slovénie, est-ce au contraire, sur sa lancée du match de sa victoire contre Israël, est-ce qu'elle a envie de forcer le destin et de battre cette équipe de France qu'il avait humiliée au Stade de France, 5-0, rappelons-le. C'était un peu chanceux, hein, quand même. C'est sévère. C'était sévère pour ce pour un match. Donc, je ne sais pas quelle est cette équipe de Slovénie que nous allons rencontrer. C'est une équipe contente d'avoir battu Israël et d'avoir presque assuré sa deuxième place, ou au contraire, une équipe conquérante qui a envie de faire beaucoup mieux. Moi, je pense qu'ils n'ont plus rien à perdre. En tout cas, ils ont assuré l'essentiel. Maintenant, ils vont se faire plaisir. Ils vont jouer décontractés. Et effectivement, en plus, ils ont une petite revanche à prendre. Puisque vous le disiez, au match aller, le score avait été très très lourd. D'ailleurs, Zahovic disait avec beaucoup d'humilité, on s'attend à pas toucher énormément de ballons. Et pour l'instant, ce sont effectivement les Français qui ont le ballon, même si là, ce ballon a été écarté en touche. C'était Sylvain Wiltord qui le récupère de nouveau d'ailleurs. Un léger flottement dans la défense slovène, mais pour l'instant sans conséquence, l'arbitre étant intervenu. Juste devant Thierry Henry. Pour l'instant, donc, c'est pas du football champagne, hein, c'est plutôt du football assez heurté, assez disputé. Chacune des deux équipes essayant de prendre l'ascendant physique, je dirais, sur l'autre. D'intimider l'autre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, d'intimider l'autre. Oui. Avec encore un pied un peu haut de Vira, l'arbitre n'a rien dit. Les Français vont récupérer ce ballon dans l'entrejeu avec un bon ballon de contre. Mais tout de suite au départ de l'action, une faute sur Zidane commise par Chukalo, le milieu axial de cette équipe slovène qui joue dans le très dur championnat allemand et joue même en deuxième division à Unterharing. Croyez-moi, il n'y a pas que des poètes. Hein. Voilà, récupération, coup de coude, là, oui, coup de coude de Lizarazu, bien vu, monsieur l'arbitre, sur Asimovic. Il y a de l'ambiance. Oui. Avec une déviation qui ne donne rien. Grand ballon, encore une fois, de Lizarazu. Il n'y a pas vraiment de construction pour l'instant. C'est juste effectivement une affaire d'intimidation dans ces premières minutes. On remarque la cuisse bandée de Zidane. Parce qu'il a été victime d'une contracture. Oh, c'est bien fait, ça. Oui. Redoublement de passe avec Thierry Henry. Et Zizou avait le temps de centrer. Enfin bon, il ne s'est plus ressenti du tout, hein, l'occasion du dernier entraînement. C'est la raison pour laquelle Jacques Santini l'a logiquement sélectionné. Makelele dans ses œuvres, c'est rare, hein, de voir Claude Makelele centré. Je ne suis pas sûr que le Real Madrid ait vu avec grand plaisir que Zidane était aligné ce soir. Du prochain match Real contre Marseille, qui sera le grand événement de la semaine prochaine. Surtout pour Marseille. D'ailleurs. Surtout pour Marseille, mais enfin pour le Real aussi, pour Zidane aussi. Ah, pour Zidane oui. Aussi. Non, pour Zidane oui, mais bon. Et donc, pour Zidane, enfin, évidemment. Zidane est un grand garçon. S'il a accepté d'être aligné, c'est que sa santé lui permet. Et comme vous le disiez aussi, rien n'empêche Jacques Santini de le faire souffler s'il estime nécessaire. Coup franc pour Zahovic. Ballon un peu donné, un peu trop dans l'axe. Et attention, vous voyez, les Slovènes sont très pressants. Il reste assez haut là. Et c'est une vraie belle bagarre à laquelle on assiste. Avec un coup franc donc pour la Slovénie sur cette faute commise sur Asimovic. Pour le moment, c'est un football physique, rugueux. C'est pas celui qu'on préfère. Non. Et encore une fois, coup franc pour Zahovic, qui frappe vraiment tous les coups de pied arrêtés du côté des Slovènes. Les Français qui essayent de s'en sortir, là, qui vont essayer maintenant de soigner un peu la contre-attaque. On est loin de l'entame contre Chypre, oui, où on jouait à une touche de balle. c'est pas exactement la même opposition. Ouais. Eh oui. Ouais, sorti. Ça
Il y a eu un match qui a eu lieu avant-hier entre l'équipe de Slovénie Espoir et l'équipe de France Espoir. Ouais, 0-0. 0-0, un match assez décevant d'ailleurs. Ce qui prouve que le football slovène est... Et c'est un bon football. Bien sûr, mais c'est le football de l'ancienne Yougoslavie. Énormément d'artistes, énormément de joueurs de talent, ouais, avec une belle frappe là de Thierry Henry qui avait bien enroulé sa frappe. Et ma foi, elle n'était pas cadrée, mais c'était tout de même un premier avertissement pour le gardien slovène dont on n'a pas parlé, qui est Simonovic, qui l'a été, me semble-t-il, Bernard, un tout petit peu en retard sur cette frappe de Thierry Henry. Enfin, c'est le premier tir au but de la partie. Voilà. Mais les Slovènes, bien sûr, ce sont de très très bons joueurs de ballon, très bons basketteurs, comme les Yougoslaves d'ailleurs, comme les Yougoslaves dans leur ensemble. Très fort aussi au water polo, tous les sports d'équipe en général. D'ailleurs, dimanche dernier, la France a battu la Slovénie en basketball, oui, à 88 à 82, ce qui lui assurait une place en quart de finale. Oui, bien fait, avec un ballon pour Trezeguet, ça c'est tout à fait, oui, absolument rien à dire. Il a été servi dans des conditions impeccables et après il a fixé le gardien et il lui a offert une petite pichenette. Le gardien est parti bien sûr sur sa feinte, pas grand chose à dire, si ce n'est que le premier ballon dangereux, Bernard, eh bien, permet à l'équipe de France d'ouvrir le score. Alors ce but change tout, hein. C'est évident que si la Slovénie avait marqué, la physionomie du match en aurait été changée, tandis que là, évidemment, les Slovènes vont être obligés de courir après ce but, donc de se découvrir, et ça peut être un gros avantage pour la France. On voit là cette petite passe de Lilian Thuram. Voilà, ce centre pour Wiltord, et la remise impeccable de Wiltord avec... un petit crochet. Ah oui, c'est superbement bien fait. Superbement bien fait, le gardien était déjà à terre. Et Vukdalic, le dernier défenseur, a été complètement pris à contre-pied. Attention, oh, c'est dommage, il y avait peut-être une position préalable de hors-jeu, même pas, mais alors que le réalisateur slovène l'appelle Trezeguet, mais on se souviendra que David Trezeguet reste le français en activité qui est toujours en tête au nombre de buts marqués. Et je crois que c'est son 25e but là, en équipe de France. Parce qu'il y a aussi une petite bagarre entre Henry, Wiltord... Rivalité. Voilà. Rivalité de buteur. Mais voilà. Et bien, Trezeguet a repris un petit peu d'avance, là, grâce à cette pichenette magnifique et ce service, cette passe décisive, comme on dit au basket, signé Sylvain Wiltord, qui était absolument superbe. Et c'est vrai que nous n'avons pas eu l'entame que nous redoutions, que nous espérions, à savoir vraiment un pressing fou des Slovènes se lançant à l'attaque des buts français, essayant de déborder tout de suite cette équipe, essayant de la faire douter. Pas du tout. Ils sont restés très calmes, ils n'ont pas essayé de forcer le destin. Et là, pour l'instant, ils courent un peu après le ballon. Même si vous voyez le rideau défensif slovène, en tout cas dans l'entrejeu, est très très fourni, ce qui n'empêche pas les Français de... Ah, il y a faute là, oui, faute, parce qu'il est battu, Zidane s'était ouvert la brèche, et là c'est presque même faute carton, hein, parce que c'est quand même de l'anti-jeu là. Ah, la France ne pouvait pas mieux entamer cette partie. Que maintenant, bien sûr, ils vont jouer en confiance. Regardez, ils vont se permettre des petits gris-gris techniques avec cette frappe enroulée de Patrick Vieira. Bon, un peu au-dessus, il l'a pris un peu en dessous le ballon, mais c'était bien vu aussi. Allez, on voit la passe superbe de Wiltord. Et le petit crochet. Ah ouais, Vukdalic et le gardien était déjà parti. Le gardien qui était déjà à terre, évidemment, ça ne pardonne pas. Ouais, monsieur l'arbitre estime que Makelele s'était appuyé là sur le dos d'un joueur slovène. Et le ballon a été rapidement joué. Et c'est dommage pour Zahovic là, qu'il ait un peu manqué à son contrôle. Il y avait certainement un bon coup à jouer. Sur ce premier but, là, le calme de Trezeguet est impressionnant. Ah ouais. La réception du ballon, ce petit crochet. Et ensuite, il a le.
L'intelligence de voir le goal, le gardien à terre et le lobe, c'est remarquablement fait. Ouais.